Tous les gens qui passent dans ce village d'artistes passent au village de Songwang. Ça c'est une première toile, c'est un 20 figures. Et en fait dessus on voit la cafetière de l'atelier de South Dock, ainsi que des petits fantômes chinois. Donc là c'est une scène typique chinoise, traité à la manière de Cervera, évidemment. Les musiciens, scène classique. Le vendeur de rue de popcorn, scène classique aussi, avec à droite le sac pour récupérer les popcorns. Et derrière, alors ce qu'il faut savoir, c'est de la monnaie fictive, de la fausse monnaie chinoise. Hein, donc c'est un élément qu'a rajouté Cervera, que seuls les Chinois peuvent comprendre. Le vélo avec les petits chiens typiques de Cervera qu'on a vu dans toutes ses toiles, quoi, toutes les époques, il y a toujours des petits chiens comme ça. Et le vélo de Songwang. Songwang est farci de gens à vélo. Alors là, on passe sur un autre format, puisqu'on est dans du 210 par 180. C'est en fait le repas du canard laqué dans un restaurant, un repas convivial. Et bon, faudrait voir avoir la toile en entier pour en détailler tout ce qui en fait son charme. Ça, c'est une scène de théâtre. Hein, c'est aussi une très très grande toile, puisqu'elle fait pareil, 2,10 m par 1,80 m. Donc on reconnaît bien les personnages typiques de Cervera sur la scène. C'est une toile qui a vraiment beaucoup 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 de gueule. La discothèque, pareil, hein, toile 2,10 m par 1,80 m. Hyper bien construite, hein, déjà. Des rapports aussi peu de couleurs, hein, mais que des visages différents, des attitudes différentes, et puis des détails comme des gens qui fument un narguilé, ça se fait en Chine, des tas de détails. En face, au fond, des joueurs de cartes encore. Autoportrait. Alors il est heureux cet artiste, il peint accroché par les pieds à une balancelle, il a un sourire, là. Il sourit. Cervera fait référence à ses peintures, la Lewis et l'Atex qu'on a mis 3 jours à trouver et avec lesquels il cerne ses personnages. Dans la bibliothèque, on voit, il y a un rappel sur son expo de Shanghai, il a dessiné la couverture de son expo de Shanghai, mais surtout, ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me plaît, c'est de un repas. Et Cervera me fait toujours des clins d'œil. C'est un repas auquel j'ai participé. Le personnage de devant, là, la tête lunaire, c'est un artiste très connu en Chine qui n'a eu de cesse que de vouloir nous saouler en faisant camper. Mais manque de bol, en face de Cervera et moi, c'est lui qui est parti d'abord. Alors sur en haut, sur les tableaux qui sont représentés en haut, ce sont les plats qu'on a mangés. Hein. Il y a le canard, il y a le poulet, il y a aussi les crevettes, bien entendu. Non, les crevettes, le poulet et une grosse pâte de coq sur en haut à droite, là, que j'ai mangée et qui faisait bien rire Cervera. Voilà, puis il y a des détails là sur ces trois tableaux là-haut. Si vous le connaissez, il faudra lui demander comment, avec quoi il les a peints. Vous verrez, vous serez très surpris. Cervera a été invité, à visiter le fleuve jaune avec une dizaine d'autres artistes, afin, je pense que la volonté des politiques qui l'ont invité, c'était de se faire de l'image. Donc il retranscrit une scène là, ils sont dans
Ils descendent du bus, tous là, les 10 artistes, et ils tombent sur une petite vendeuse là d'objets traditionnels, très, très remarquable. Et la pauvre femme qui était toute seule se retrouve tout d'un coup photographiée comme une star. Et voilà. Et Cervera a saisi cette scène. Voilà, scène de rue chinoise. Ce que j'aime, c'est les couleurs des habits déjà. Remarquez le petit pantalon du bébé qui est ouvert derrière, là, des petits enfants, ça c'est typique. Et puis surtout la joue en bas à droite de papier d'emballage chinois, typique d'emballage, qui eux sont collés sur la toile. Hein, donc ce qui donne ce relief-là. Très belle toile aussi, bien évidemment. Shanghai Dandies, la plus, on va dire, la plus moderne, la plus Pepsi des toiles par justement les sujets. Donc là, on n'est pas Song Wang, il est à Shanghai, il rentre dans un bar et il tombe sur ces deux ovnis là, habillés mi-traditionnels et mi avec des habits traditionnels mais complètement relookés 21e siècle. Et voilà, il les a retranscrits comme ça. C'est une toile qui a été. C'est avec cette toile que nous avons. C'est la seule toile que nous ayons montrée au public dans un bar très branché de Songwang avant l'exposition. Hein, la seule toile qui a été vue avant l'exposition par les Chinois. La vendeuse de cigarettes. Alors, la vendeuse de cigarettes, elle est en face de notre atelier. Alors bon, beaucoup de choses, hein, beaucoup de détails dans cette toile. Les paquets rouges, ce sont les fameux double happiness. Ici, nous en France, on a sur nos papiers fumer tue, et là-bas, il y a marqué double joie. Les paquets verts, ce sont les paquets que fument les artistes, c'est du tabac brun, et ça vient de la région de Mao, c'est pour ça un petit peu, quoi. C'est au fond une scène de cartes. Bon, alors évidemment, chez notre boutiquière, ça n'existe pas. Il a rajouté une scène de cartes avec les joueurs qui ont des masques du théâtre chinois. Sur la gauche, eh bien, plusieurs détails, dont des papiers d'emballage coulés. Et notamment un escafé, parce que eh bien, nous, on boit un peu de café le matin. Donc c'est important pour nous, pour Cervera, de le montrer aussi. Voilà. Belle toile, beaucoup de profondeur. Lors de son expo à Shanghai, l'an dernier, pendant l'exposition universelle, à l'époque de l'exposition universelle, Cervera avait traité beaucoup, beaucoup, beaucoup le jeu. Et là, bon, dans la série, il en a traité une. Il a traité cette toile sur le thème du jeu. Et donc là, c'est le mauvais joueur, le mauvais perdant. Hein. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les billets sont des vrais billets. Les cartes sont des vraies cartes qui sont collées sur la toile. Hein. Voilà. Donc, il y a toujours souvent le rajout d'objets dans les toiles de Cervera. L'autoportrait final, une des dernières toiles qu'il ait peintes. Alors ça, c'est assez sympa parce que pour l'expo de Shanghai, il avait fait une photo de pied, bien un tableau de pied, non, une photo de pied bien droit. Et là, eh bien là, on dirait qu'il est en train de danser. Il est habillé en chinois, c'est le noir et le blanc, c'est les yin et le yang, hein, notamment le pinceau du bas. Hein, on voit bien qu'il y a du noir et du blanc. Et dans les mains aussi, c'est blanc et noir. Les pinceaux sont de vrais pinceaux qui sont collés sur la toile. Hein, les pinceaux du haut, les pinceaux qui sont dans les mains. J'aime aussi vraiment énormément cette toile. C'est la table de l'atelier. Alors, je ne vous dis pas comment cette table, les pinceaux ont circulé. C'est la table de travail, donc il a vraiment gambergé, il y a pris ses outils, ses petits objets, ci et ça, et en fait tout ce qui est passé dans la tête, toutes les idées, tous les sourires, tous les ennuis, toutes les interrogations, eh bien il les représente par ces petits fantômes. Hein. Ce sont les petits fantômes chinois qu'on voit un petit peu, ces petits personnages. Pour les Chinois, c'est les fantômes, comme nous, le fantôme avec le voile blanc. Au fond, il a recréé un papier mural à la Cervera, qu'on pourrait assimiler à un papier mural sympa chinois. L'accident de Trois-Roues. Alors, le Trois-Roues est du vélo. Hein. Le Trois-Roues, bon, là, il a fait un Trois-Roues un petit peu
un petit peu moderne, hein, et c'est beaucoup moins looké que ça, les trois roues, mais sympa dans les couleurs. Et puis le vélo, quoi, hein, donc c'est l'accident, c'est typique de Songwang, ça fourmille et on en voit parfois comme ça. Voilà, ça fait partie de la vie de Songwang. Alors les deux voleurs ou les deux bandits, ce sont deux toiles qui se répondent, c'est un diptyque. Hein. Celui de droite apporte un habit totalement authentique, quoi, un vieil habit chinois. On verra le dragon qui est peint dessus. Un des pistolets sort du cadre. On voit toute la fantaisie de Cervera et la maîtrise technique de Cervera sur ces deux tableaux. Le réparateur de vélo, c'est, eh bien voilà, dans les rues, avec un marteau, avec un tournevis, eh bien on vient faire réparer son vélo. Alors attention, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le tram arrive dans un an à Songwang, on commence à voir les premiers taxis, si ça, au fur et à mesure, toute cette économie... Eh bien, l'artiste qui est en train de se préparer, qui est en train de se maquiller, avec le miroir, qui est un thème que Cervera aime travailler. Eh bien, rebonjour les petits fantômes. Là, ils sont ludiques, ils sont sympas. C'est la table, hein, c'est la table avec toujours un fond mural, hein, chinois, inventé par Cervera. Les bières, c'est effectivement les bières qu'on boit d'une façon folle. Hein, c'est vraiment ces bouteilles de bière qu'on boit d'une façon folle à Songwang. À noter, j'aime beaucoup la façon dont le plat est traité, la profondeur, les fruits. C'est une boîte. Regardez encore le petit fantôme en haut accroché à une corde là, qui est en train de se balancer. C'est une toile très, très Pepsi, très sympa et qui a en fait beaucoup de sens. Le festin de crevettes, alors ça ces crevettes là qui sont dans le plat, bon, elles sont un peu plus colorées que ce qu'on a l'habitude de manger à Songwang, et bien on s'en est fait des festins, ça a toujours été du plaisir, hein. Et la petite soupe de poisson à droite, toujours la peinture murale derrière, et bouteille de vin rouge, tiens, hein. il nous arrive de boire de plus en plus souvent du vin rouge, le vin rouge arrive sur Songwang, hein, d'une manière soutenue. Encore un clin d'œil de Cervera à l'atelier. C'est la femme au miroir, avec derrière elle encore un fantôme. Et ce qu'il faut noter, ce sont les meubles. Hein. Le meuble sous le miroir, la chaise, l'armoire derrière. Eh bien, ce sont les meubles que j'ai chinés moi-même et qui sont dans l'atelier, hein, que j'avais mis en place dans l'atelier pour le confort de Cervera. Voilà. Bonjour Mathilda. Alors ça c'est le ciel. Les fauteuils de l'atelier sont comme ça. Et eh bien c'est les visiteurs de passage. Hein. Ça peut être les artistes qui passent, les copains qui passent dans l'atelier. Voilà, ils sont tout à fait cette dégaine-là. Hein. Tout à fait cette dégaine-là. Voilà, à l'aise. Une nature morte, Bloody Cocktail. Et alors, Cervera m'a fait la surprise d'y coller la carte de South Dock en bas à gauche de la bouteille. On a les lutins qui sont sur la lampe là-haut. C'est très coloré, très sympa, très bien construit. J'adore cette nature morte. Voilà un typique trois roues de Songwang. Alors c'est lui, c'est la dernière toile. Mais c'est le trois roues qui commence et qui finit l'exposition, car c'est avec le trois roues qu'on vit à Songwang, on y arrive, on s'en va, on y monte peut-être 10 fois par jour. Et je crois que dans quelques années, quand je repenserai à cette aventure, eh bien la première image que j'ai, le premier souvenir, ce sera les trois roues. Hein. Voilà.